You are now tuned in to the Black Law Students Association of Canada's YouTube. So we'll hear from the appellants whenever you're ready. I'm not sure which of you is beginning, but we'll hear your argument. All right. Well, bonjour. Bonsoir, en fait, monsieur et mesdames les juges. Je me présente Tina Amadou en compagnie de ma collègue Gaëla. Donc, nous sommes représentantes de l'appelant, monsieur Jamal Williams. Donc, monsieur, mesdames les juges, comme vous savez déjà, on va parler aujourd'hui des droits constitutionnels de notre client qui ont été violés dû à la réponse du ministère de la Santé quant à la pandémie COVID-19. Donc, je tiens à mettre à l'évidence dès le départ l'importance des questions qui vont suivre. Donc, on ne parle pas seulement de la COVID comme étant une crise au niveau financier ou économique, il s'agit de quelque chose de plus large que ça. Donc, la pandémie, elle a été révélatrice ailleurs dans le monde grâce à des données désagrégées, donc des impacts disproportionnés qu'elle a eu sur la population racisée, comme la population noire, autochtone, par exemple. Et ça, c'était possible grâce à des données qui ont été collectées par rapport à la race. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est des illustrations évidentes que les populations noires et autres populations racisées sont encore mal desservies et ignorées par le système de la santé. Donc, comme le Canada n'a pas été épargné par cette crise, les problèmes d'accès à la santé et à la discrimination méritent une réponse judiciaire adéquate. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au nom de notre client Jamal Williams, nous demandons que le présent appel soit accueilli. L'omission du ministère de la Santé de recueillir des données fondées sur la race concernant la COVID-19 porte atteinte au droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et au droit à l'égalité de notre client en tant qu'homme noir. Ces droits protégés par l'article 7 et 15 de la Charte. Donc, d'une part, sans collecte de données désagrégées, les personnes noires ne peuvent bénéficier de services de santé adéquats. Et cela a des effets négatifs sur leur qualité de vie et ça atteint leur droit à la sécurité en vertu de l'article 7 de la Charte. D'une autre part, le fait de collecter seulement des données agrégées, cela crée une distinction qui constitue une différence de traitement substantielle entre les personnes blanches et les personnes noires, puisque les données agrégées ne profitent qu'au groupe majoritaire blanc. Donc, nous soutenons que les violations énumérées ne peuvent pas être sauvegardées par l'article 1er de la Charte. Et finalement, nous vous démontrons aujourd'hui que les droits garantis par l'article 7 et 15 devraient être formulés comme appartenant à tout le monde ou à tous, parce qu'une telle formulation généraliste cache à quel point les décisions politiques nuisent en réalité les communautés marginalisées. Donc, pour ma part, aujourd'hui, je vais traiter de la première partie concernant les violations constitutionnelles et ma collègue traitera par la suite de la question de la reformulation des articles 7 et 15 de la Charte. Concernant le droit à la vie et à la liberté et à la sécurité de la personne en vertu de l'article 7 de la Charte, nous soutenons que sans données désagrégées, les personnes noires ne peuvent pas bénéficier de services de santé adéquats. Et cette l'incapacité du ministère de Santé de collecter des données fondées sur la race a des effets négatifs sur la qualité de vie et la sécurité des personnes noires. Donc, je reviens d'abord sur la décision Carter contre Canada, la décision où la Cour suprême a déclaré, et je cite ici, que le droit à la vie est en jeu lorsque la loi ou l'action de l'État impose la mort ou un risque accru de décès, directement ou indirectement. Très important de comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a eu un impact indirect qu'il n'y a pas eu de violation en tant que telle. Donc, la collecte de données est particulièrement importante pour améliorer les services de santé. La collecte de données désagrégées est encore plus essentielle pour mettre en évidence les problèmes spécifiques qui sont vécus par des communautés comme la communauté noire. Les données désagrégées peuvent nous aider à placer des stratégies qui peuvent améliorer la qualité de vie et réduire notamment la disparité raciale et ethnique dans le milieu de la santé. Mais sans une telle collecte, le ministère de la Santé limite les accès à des meilleurs soins pour les personnes noires et donc a un impact
négatifs sur leur santé et leur qualité de vie, ainsi que leur bien-être. De plus, nous tenons à rappeler les préoccupations concernant l'autonomie et la qualité de vie sont traitées comme des intérêts de liberté de sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et je vais tout de suite vous référer à une étude qui a été basée aux États-Unis, parce qu'effectivement, aux États-Unis, ils ont déjà des données désagrégées concernant la pandémie, ce qui leur a permis de découvrir au niveau du taux de mortalité au virus COVID-19 que les populations noires et les peuples autochtones sont les plus affectés. Donc, dans l'étude qui a été élaborée par APM Research Lab, on retrouve un nombre de morts par rapport à la COVID-19 supérieur à 1 sur 800 à l'échelle nationale, particulièrement pour ces groupes racisés. Au Canada, n'ayant pas les données désagrégées à ce sujet, comment est-il possible pour le ministère de la Santé de non seulement reconnaître de telles disparités par rapport à la COVID-19, mais aussi d'agir pour garantir les droits, notamment le droit à la vie et à la sécurité des personnes noires? Je vous laisse sur cette question pour poursuivre maintenant concernant le droit à l'égalité. J'aurais deux questions pour vous, si vous me permettez. D'abord, je comprends que vous croyez que l'absence de ces données-là va faire en sorte qu'il y aura moins de services qui sont offerts à la communauté noire. Et vous basez en partie du fait que les données ont été effectivement désagrégées aux États-Unis. Mais est-ce qu'on peut conclure de cette preuve aux États-Unis que la situation est la même au Canada? Est-ce que cette preuve est adéquate pour remplir le fardeau de preuve de l'article 7? Oui. En fait, ce point sera un peu plus élaboré par ma collègue à la deuxième partie, mais pour déjà vous donner une réponse, on peut se baser sur les études aux États-Unis, dû au fait que la population est quand même presque similaire, dans le sens qu'ils ont une grande population noire. Une communauté noire aussi existe au Canada. Pourquoi nous nous basons sur les États-Unis? C'est aussi une question de proximité avec nous. Et puis, puisqu'on est dans une crise mondiale, ils sont autant touchés, peut-être plus en ce moment, que nous. Par contre, le problème, c'est vraiment le fait de voir qu'il existe un problème. La population noire sont plus affectées. Et c'est ce que nous, on veut juste mettre en lumière, c'est que le fait qu'on n'a pas de données ici au Canada, ce n'est même pas possible de constater cela et d'y remédier, donc le cas échéant. Et le simple fait qu'il n'y a pas ces données-là, ça vient enfreindre le droit à la protection, le droit à la sécurité, puisque la santé, on s'entend que c'est un service très essentiel. Ma deuxième question concerne la deuxième partie de l'article 7. La première partie dit que tout le monde a le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et ne peut être privé de cette sécurité, sauf en respectant les principes de justice fondamentale. Et donc, je pense que, je ne parle pas pour le reste des juges, mais je serais prêt à accepter qu'il y a une conséquence sur la sécurité des personnes, mais est-ce qu'on peut présumer que ce n'est pas, dans le contexte d'une pandémie, en conformité avec les principes de justice fondamentale? Pour répondre à votre question, si le ministère de la Santé, c'est un point que je vais aussi amener un peu plus tard, est en mesure de collecter des données agrégées, il est également en mesure de collecter des données désagrégées. En fait, ce type de données est même plus bénéfique pour la population en général, parce qu'à partir de données désagrégées, on peut faire des résumés pour l'ensemble de la population et le contraire n'est pas possible. Donc, je peux bien comprendre la limite au niveau de l'article 7, mais si c'est possible pour le ministère de le faire et que cela serait bénéfique pour une population qui est déjà marginalisée, nous soutenons que c'est de son devoir de le faire, en fait, de garantir ce droit-là. Merci. Donc, maintenant, je vais poursuivre avec le droit à l'égalité qui est protégé par l'article 15 de la Charte. Donc, à ce niveau-là, nous soutenons que de seulement collecter des données agrégées crée une distinction qui constitue une différence de traitement substantielle entre les personnes blanches et les personnes noires, puisque les données agrégées ne profitent qu'au groupe majoritaire blanc.
Donc, par conséquent, le fait de ne pas collecter de données désagrégées, donc basées sur la race, concernant la COVID-19, c'est discriminatoire et ça porte atteinte aux droits de notre client Williams en tant qu'homme noir. Donc, rappelons-nous, l'article 15 s'applique ici au ministère, puisque c'est une décision, donc tout ce qui est action gouvernementale, sous forme de législation, règlement, orientation, de politique, bref, ça s'applique ici au ministère de la Santé. Donc, de ce que l'article 15 nous dit, et quand je réfère à la décision Loi contre Canada, qui est très pertinente dans notre cas, il faut faire une analyse en trois étapes, qui a par la suite été synthétisée en deux étapes, afin de prouver qu'il y a eu effectivement violation de l'article 15. La première étape que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est est-ce que la loi, ou le cas échéant, la décision du ministère, est-ce qu'elle crée une distinction fondée sur un motif analogue? Et en deuxième lieu, je vais vous présenter en quoi la distinction est discriminatoire. Donc, premièrement, il y a une distinction qui est faite ici suite à la décision du ministère de ne collecter que des données agrégées. En fait, rappelons-nous déjà que la distinction pour les motifs qui sont énumérés, ça peut être la race, l'origine nationale, ethnique, la couleur, la religion, le sexe ou l'âge, par exemple. Dans notre cas, la distinction, elle est due à l'effet néfaste de la décision du ministère, du fait qu'il ne collecte seulement que des données agrégées. Il omet de collecter des données désagrégées alors que ça pourrait être au bénéfice d'un groupe marginalisé. Il ne tient pas en compte la position déjà désavantagée de la communauté noire en tant que minorité au Canada. Et cela entraîne une différence de traitement substantielle par rapport aux personnes blanches. Ce qui m'amène à vous expliquer en fait pourquoi. C'est tout simplement parce que les données agrégées profitent seulement au groupe majoritaire d'un groupe, d'une société. Donc l'information, elle est présentée dans son ensemble. Elle ne met pas en évidence les problèmes qui sont rencontrés par les minorités. Donc les données agrégées, c'est des données qui sont collectées à partir de deux ou plusieurs sources, mais elles sont présentées vraiment comme un tout. Même par le processus par lequel elles sont collectées, elles sont exprimées de manière collective ou plutôt comme un résumé. Donc, c'est clair ici pour nous et c'est évident que les données agrégées sont moins utiles pour mettre en évidence les impacts de la COVID pour la population noire. Donc, permettez-moi de vous citer un passage de la décision Kakawistaha First Nation. Donc, dans cette décision-là, je vous rappelle brièvement, la Cour suprême avait expliqué que la collecte de données agrégées a capturé un groupe trop large, trop diversifié, que ça n'a pas été en mesure, en fait, de ressortir les défis rencontrés par la communauté Kakawistaha. Donc, je vais vous citer le passage en anglais. It is less helpful in shedding lights on the relationship between age and education in the specific context of the members of the Kakawistaha First Nation. It captures a vastly larger, more diverse population than the community affected by the code, in this case, and does not meaningfully eliminate whether and to what extent the grade 12 education requirement functions to the disadvantage of the community members of the Kakawistaha First Nation. Donc, c'est... Maître, j'ai une question. Juste par rapport à cette citation-là, on parle de... C'est pas utile de parler de personnes indigènes. Il faut parler de Premières Nations, peuple Inuit, peuple Métis, séparés. À quel point est-ce que on doit être précis, vous voulez des données désagrégées, mais à quel point est-ce qu'on doit parler même pas de Premières Nations, mais de nations précises? Est-ce que ça devient trop précis? Est-ce qu'on doit désagréger à un tel point qu'on mentionne plusieurs sous-catégories? Et si on fait ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la vie privée, dans le sens que si on mentionne qu'il y a une personne de cette nation particulière dans cette petite ville avec une population de 5000 personnes, est-ce que ça ne pourrait pas automatiquement identifier une personne précise qui a le COVID? Oui, ben en fait, pour ce qui est de la question du risque, un peu plus tard, on va aborder cette question également avec ma collègue, mais pour répondre à votre question déjà en partant, à quel point on doit être précis,
Ça va devoir ça va dépendre en fait de la situation qui se présente. Donc, dans le cas du peuple Kaka-Ouistara, c'était au niveau de l'éducation. On cherchait à voir est-ce que c'était vraiment adéquat pour eux. Donc, c'est sûr que de prendre que les Premières Nations en général, ce n'était pas assez précis parce que peut-être qu'un groupe, ça allait mieux, dans un autre groupe, ça allait moins bien. Dans notre cas, nous, au niveau de la pandémie, il est clair, il est prouvé que il y a des enjeux que les personnes de communauté noire vivent, que les personnes de la communauté blanche ne vivent pas, et surtout dans le milieu de la santé. Il existe beaucoup de stéréotypes, beaucoup, la disparité justement est déjà là pour montrer qu'il y a un désavantage au milieu de la santé. Donc, en partant de cette idée, on a une pandémie, une crise. Il serait important d'avoir des données pour être sûr de ne pas perpétuer en fait ce désavantage-là qui existe déjà en fait. Donc, avec ou sans la pandémie, ça existe déjà. Donc, pour répondre à votre question, ça va dépendre de la situation, mais dans notre cas précis, c'est essentiel parce qu'on est en pleine crise. On doit répondre à la crise, mais on doit répondre de manière adéquate. Donc, pour ce qui est de la population noire, la manière adéquate serait d'avoir des données désagrégées pour s'adapter et offrir des services adéquats également. Donc, en espérant que ça répond à votre question, je vais poursuivre. Par rapport à la citation que je venais de vous lire. Donc, c'est vraiment de mettre le point sur le fait que on peut pas examiner les impacts de la COVID dans des grandes catégories, justement. Il faut vraiment être précis parce que c'est la santé et le bien-être d'une population qui est en jeu. Et de ne pas faire ainsi, c'est même devenir masquer des choses, des expériences, des nuances qui affectent cette population-là, qui n'affectent pas la population majoritaire. Donc, faut vraiment se rendre compte que de collecter que des données agrégées, ça vient juste mettre en évidence des choses qui sont plus, en fait, qui sont plus du ressort, qui affectent plus les personnes, les majorités, parce que c'est leurs données qui ressortent, en fait. Ce n'est pas la donnée des groupes qui sont plus marginalisés, donc c'est ça, des groupes racialisés, par exemple, la communauté noire. Donc, je sais, monsieur et mesdames les juges, que l'autre partie va sûrement essayer de vous soulever l'impossibilité d'imposer une obligation positive au ministère. Mais je tiens à vous rappeler ici, dans l'affaire La Voix contre Canada, la Cour a déclaré, et je cite, la loi ou l'action gouvernementale doit tenir compte de la situation particulière des personnes touchées, y compris tout avantage ou désavantage relatif. Donc, en refusant de faire de la sorte, le ministère de la Santé, il établit clairement une distinction entre les personnes blanches et les personnes noires. Il est clair que les personnes noires sont traitées de manière différente parce qu'ils reçoivent ils reçoivent en fait des services de santé qui ne sont pas adéquats. Et donc, la distinction que je vous prouve depuis le début, elle existe et elle repose sur un motif interdit, soit la race. Donc, par rapport à la deuxième partie de l'analyse, comme je vous rappelais, je suis en train de faire l'analyse au niveau de l'arrêt Law versus Canada. Donc, à la deuxième partie de l'analyse, je vais établir en quoi cette distinction est discriminatoire. Donc, je reviens sur la récap pour cela, où la Cour suprême a utilisé la perpétuation des désavantages et des stéréotypes comme indicateur de la discrimination. Et je vais faire de même. Donc, conformément à cette analyse, nous soutenons que la simple utilisation de données agrégées perpétue plusieurs stéréotypes qui existent déjà dans le milieu de la santé, donc par rapport à la population noire. Des stéréotypes, par exemple, il y en a bien d'autres, par exemple le fait que les Noirs ne sont pas en bonne santé à cause de leur mode de vie ou de leurs habitudes quotidiennes ou même de leur génétique. Donc, il s'agit de stéréotypes qui ont des Ben, impacts négatifs. je m'excuse de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ne pas désagréger va perpétuer un stéréotype que les Noirs ne sont pas en bonne santé? Oui, tout simplement parce que ça vient mettre sous silence en fait le problème. Donc, si on n'a que des données agrégées, on ne voit pas les vrais problèmes du pourquoi la personne noire, par exemple, serait plus affectée par la COVID. Ça, je le vois, mais je vois mal comment ça perpétue le stéréotype de que les Noirs ne sont pas en bonne santé. En fait, c'est un peu le contraire. C'est de présumer que tout le monde fait face à la même réalité sans tenir compte des différences qui pourraient exister. On ne sait pas pourquoi
l'incidence du COVID est plus élevée chez une communauté plus qu'une autre, mais il me semble que s'il y a une stéréotype, c'est que tout le monde est la même. En fait, nous, on présentait cela plus comme sans données désagrégées. Puis les données désagrégées, ce n'est pas nécessairement pour juste mettre en lumière le fait que les Noirs, par exemple, sont le taux de mortalité est plus élevé chez les Noirs. Il y a plusieurs autres manières de venir améliorer le système de la santé grâce aux données désagrégées. Donc, nous, comment on voyait ça, c'est plutôt que sans données désagrégées, on ferme les yeux sur non seulement que la COVID pourrait plus affecter les Noirs, mais aussi que, par exemple, la population noire ont plusieurs problèmes de santé dû au fait qu'ils n'ont peut-être pas accès à un bon système. Donc, on présentait ça plutôt dans une optique plus générale qui peut s'appliquer ici puisqu'on parle de la santé. Parfait. Donc, je vais poursuivre donc, encore une fois avec l'affaire Kakawistaha. Je suis assurée que vous avez vu que le temps. OK. Parfait. Donc, dans l'affaire Kakawistaha, on parlait aussi d'une analyse qui se concentre sur la question de savoir si une distanciation a pour effet de perpétuer un désavantage arbitraire pour le demandeur. Donc, on soutient que oui, c'est le cas ici, parce que, dans le fond, notre client n'a pas accès à des services adéquats. Et cela lui crée un inconvénient, un fardeau supplémentaire qui n'est pas imposé en fait aux personnes blanches. Donc, nous tenons aussi à souligner à cette cour que le devoir du ministère de la Santé, c'est de garantir que chacune a une chance juste et équitable de vivre sa vie la plus saine possible. Et cela est seulement possible si on recueille des données désagrégées concernant la COVID-19. Les données vont simplement nous aider à identifier des problèmes spécifiques par rapport à la population noire et à la pandémie, et donc à garantir des soins de santé. Et le ministère ne peut pas faire cela s'il n'a pas de données. Donc, la distinction qui est établie, elle est discriminatoire et elle impose un fardeau à notre client en tant qu'homme noir, qui est issu d'un groupe déjà minoritaire et désavantagé au Canada. C'est avec tout ce qui précède que je réitère au nom de notre client aujourd'hui que la mission du ministère de la Santé de recueillir des données basées sur la race concernant la COVID-19 constitue une violation de ses droits à la vie, à la liberté, à la sécurité qui est protégée par l'article 7 et le droit à l'égalité protégé par l'article 15. Ces violations ne peuvent pas être justifiées par l'article 1er dans une société libre et démocratique. Comme je mentionnais plus tôt en répondant à la question de tout à l'heure, si le ministère est capable de collecter des données désagrégées et cela serait même au bénéfice de toute la population parce qu'on pourrait partir par les données désagrégées et faire un plan plus général de la population alors que le contraire n'est pas possible. Donc, sur cela conclut la première partie concernant les violations constitutionnelles et je vais laisser ma collègue poursuivre avec le prochain point. Merci. Je vais vous poser une dernière question rapidement, peut-être un peu injuste. Pour l'article 1er, est-ce que vous êtes d'avis que le test que la Cour doit s'appliquer, c'est le test en vertu de Oaks ou en vertu de Doré? Je vais me lancer et dire que c'est en vertu de Oaks. OK. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir, parce que vous avez mentionné le temps, mais je ne l'ai pas vu affiché, donc je voulais juste savoir où j'en suis avant de commencer. Currently, we are at 23. Donc, il vous reste, 22 minutes. Articles 7 et 15 de la Charte canadienne font référence aux droits protégés comme appartenant à chacun et à tous. Ils affirment à tort que tout le monde au Canada, indépendamment de la couleur et de la race, est traité de la même manière et a les mêmes privilèges. Donc, le fait de ne pas collecter de données raciales concernant les conséquences de la COVID-19 perpétue encore plus la discrimination contre les communautés noires, car cela permet à ce que ce groupe de personnes continue à subir les conséquences de la pandémie dans des proportions incommensurables par rapport à leurs homologues de race blanche. Donc, que ce soit en alimentant consciemment des théories biaisées ou en ne tenant pas compte de l'historique des Noirs canadiens,
tout alimente ce qui vient à être du racisme systémique. Ignorer les disparités qui existent dans le système de santé ne résout pas le problème. Donc, cela ne fait qu'exacerber les difficultés auxquelles les communautés noires sont confrontées lorsqu'elles essaient d'obtenir des soins médicaux adéquats. Le racisme systémique ne peut pas être éradiqué que s'il est reconnu et combattu activement. Donc, des fonctionnaires fédéraux ont déjà qualifié le Canada de société qui ne voit pas de couleur. Et l'usage de ce qualificatif n'aide pas et loin de là les personnes de race noire. C'est un récit, en fait, qui vient soutenir que les données fondées sur la race ne sont pas nécessaires, alors que la pandémie de la COVID-19 prouve le contraire. Donc là où ces données ont été prélevées, elles démontrent que la pandémie fait la différence entre les individus de race blanche et les individus de race noire. En effet, donc ce sont les communautés noires qui sont les plus susceptibles d'occuper des emplois qui sont communément appelés des emplois de sous-table. Et par conséquent, ce sont également la vie de ces personnes qui risquent d'être le plus perdues à cause de la pandémie par le fait que ce groupe n'a pas souvent les moyens de rester à la maison où il serait le plus en sécurité comme le reste des Canadiens. Aux États-Unis, le US Bureau of Labor Statistics a conduit une enquête sur les populations actuelles, et cette enquête a révélé que les travailleurs noirs étaient plus susceptibles d'être employés dans les services essentiels que les travailleurs blancs, avec 37,7% de travailleurs noirs employés dans ces industries contre 26,9% de travailleurs blancs. Cette disparité est encore plus claire lorsqu'on regarde le secteur de la santé. Donc, les travailleurs noirs sont environ 50% plus susceptibles de travailler dans le secteur de soins de santé et de l'assistance sociale et 40% plus susceptibles de travailler dans les hôpitaux que les travailleurs blancs. Donc, les États-Unis se rapprochent en fait tellement du Canada qu'on peut se fier à ce que les informations soient similaires ici aussi au Canada. Donc, les États-Unis, comme ma collègue l'avait mentionné plus tôt, ont une historique qui ressemble à celle du Canada, une population qui se ressemble, et puis la proximité aide aussi, pourrait nous conduire à penser que les données seraient similaires ici aussi. Maître, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a un système de santé universel au Canada et il n'y a pas un tel système aux États-Unis où c'est un système privé où chacun doit avoir une assurance ou ne pas avoir d'assurance? Est-ce que cela fait une différence en vous appuyant sur les données des États-Unis dans ce dossier-ci? Oui. Donc, le Canada a l'avantage justement d'avoir un système de santé universel, mais par contre, il présente quand même des défis pour la population parce que même si c'est un système qui est gratuit, donc ça ne veut pas toujours dire que les attentes ne sont pas longues pour justement avoir accès à un médecin. Donc, ça ne veut pas non forcément dire que les gens peuvent s'absenter au travail pour aller consulter un médecin. Et donc, même si c'est un accès qui est gratuit, ça ne veut pas automatiquement dire que les populations noires qui sont désavantagées économiquement parlant, comme je vous ai dit, sont plus susceptibles d'aller travailler dans des milieux essentiels, vont pouvoir en fait se libérer pour aller se faire soigner quand ils sont malades. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Puis cet argument-là que vous avancez, là, le fait que les populations pourraient pas, bon, qui travaillent dans des emplois là, de première ligne dans le système de la santé, le fait que vous dites que ces personnes-là ne peuvent pas se libérer de leur travail pour se faire soigner, est-ce que vous avez des données là-dessus? Oui, donc on a des données ici qui montrent que... est-ce que vous voulez dire les données pour le nombre de personnes qui sont plus susceptibles de travailler dans ces emplois de première ligne? Non. Des données qui me diraient que ces gens-là ne sont pas capables de se libérer de leur emploi pour se faire soigner en temps opportun. En fait, les données qu'on a ont montré que les gens qui vont travailler dans des emplois, par exemple, soit de première ligne ou soit en dessous de la table, donc sont des personnes qui vivent dans des milieux où la pauvreté est plus élevée. Donc ça implique, en fait, on peut déduire que ça implique qu'ils n'ont pas des emplois où ils peuvent prendre des vacances, où ils peuvent s'absenter sans perdre leur travail. Donc, la réponse à ma question, vous n'avez pas de données précises, il n'y a pas de données statistiques sur ce point-là. Les données ne donnent pas forcément, vont pas forcément dire que
ça ne donne pas de chiffres, mais on peut déduire par là, vu que ces personnes déjà sont, travaillent en dessous de la table, donc on n'aura pas forcément des chiffres qui sont clairs, mais on peut, c'est une déduction qu'on peut faire de ce qui a été démontré. OK, puis juste finir là-dessus, ça c'est votre argument qui part des données américaines dont puis la, les États-Unis ont un système à plusieurs étapes. Là, souvent, les gens doivent payer pour avoir des soins de santé, ce qui n'est pas le cas ici au Canada. Non, ça, c'était l'argument, en fait, pour dire qu'on peut, on peut penser que les données seraient similaires dans la mesure où, en fait, oui, en fait, là, je comprends votre question. Donc, oui, dans le sens où, aux États-Unis, les gens doivent payer pour aller voir un médecin. Mais ici aussi, ça ne veut pas forcément dire que puisque les gens ne payent pas, qu'ils peuvent forcément, en fait, se libérer pour aller consulter un médecin, ce qui revient un peu au même. Et que aussi, donc, j'ai avancé aussi que... Donc, avec nos systèmes de santé, il y a beaucoup, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la mesure où c'est encore difficile de, d'aller consulter, par exemple, de se rendre maintenant à un hôpital puis voir un médecin tout de suite. Donc, les délais sont longs. On n'a pas forcément un accès rapide au système de santé. Ce qui peut faire toute une différence, en fait, quand, par exemple, dans un cas de pandémie, qu'on ne sait pas forcément à quel point quelqu'un peut tenir ou pas. Est-ce que ça répondait à votre question? Vous pouvez continuer, merci. Donc, sachant cela, et les communautés noires devraient-elles en fait continuer à subir ainsi la pandémie sans que personne ne batte de l'œil? Quel taux de disparité devrait être atteint pour que la situation soit enfin alarmante pour nos gouvernements? La collecte de données désagrégées ne vise pas à imposer au gouvernement un programme de discrimination positive. Elle vise plutôt à corriger une erreur sociétale qui a survécu pendant trop longtemps. Au milieu d'une pandémie qui touche les communautés noires de manière disproportionnée, la collecte de ce type de données n'est pas un luxe qui peut attendre et être déployé une fois que la pandémie aura pris fin. Donc cette collecte est aussi urgente que la collecte de données agrégées et refuser de mettre en œuvre une étape aussi nécessaire, c'est renforcer le traitement des Noirs canadiens comme un peu des citoyens de seconde classe. Et puisque nous avons les informations, nous savons que les informations recueillies à partir de la collecte de données agrégées permettent au gouvernement, aux chercheurs et aux responsables de la santé publique de développer des outils, non seulement pour traiter cette pandémie actuelle, mais aussi pour se préparer pour les futures crises sanitaires. Et puisque nous savons aussi que la collecte de données agrégées ne représente pas toujours les personnes de race noire, pourquoi la collecte de données désagrégées basée sur la race n'a-t-elle pas encore été mise en place? Les communautés noires ne méritent-elles pas les mêmes droits? Et le racisme médical explique en fait en grande partie pourquoi des données désagrégées sont nécessaires pour les communautés noires dans un domaine qui devrait prouver une équité indubitable à tout temps. Il a été constaté que le système de santé peut être entaché de suprématie blanche et de la hiérarchie raciale. Par exemple, la collecte de données désagrégées en Amérique a montré qu'en ce qui concerne le taux de mortalité maternelle, les femmes noires sont celles qui représentent le plus grand risque de décès maternel par rapport aux femmes blanches. Et cela est dû en partie à une fausse croyance qui prétend que les femmes noires seraient moins sensibles à la douleur comparativement aux femmes blanches. Et de plus, là où la collecte de données désagrégées a été recueillie, elle a montré que même si la communauté noire ne représente que 9% de la population de Toronto, elle représente 23% des cas de COVID-19. Ces chiffres devaient tous nous alarmer. Ne pas recueillir ce genre de données parce que nous savons qu'elles révéleraient un problème sous-jacent dont nous suspections l'existence depuis longtemps, ne préserve que le racisme médical aux mains duquel les communautés noires continuent de sévir et à succomber à des décès qui étaient pourtant évitables. Et si des données fondées sur la race étaient collectées, les décideurs auraient l'exigence de s'attaquer au racisme médical et aux disparités en matière de santé en investissant suffisamment de temps et de ressources financières. En fait, lorsque les discriminations visant un groupe spécifique de personnes sont remarquées dans un milieu qui affecte directement la vie ou la perte de celle-ci, de ce groupe, nos gouvernements devraient démontrer une virulence à essayer de mettre fin à ces discriminations. La collecte de données à ce moment-là en relation avec la spécificité de ce groupe serait alors un moyen mis en place pour s'assurer que la compétence,
l'impartialité, l'intégrité, la loyauté et le respect, qui sont les valeurs en fait du ministère de la Santé et des Services sociaux, sont respectées. Et lorsque nos gouvernements choisissent de ne pas voir la couleur, ce qu'ils sont en train de dire en réalité, c'est qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de lutter contre les disparités en matière de santé qui sont jusque-là dissimulées par les données agrégées. Les minorités visibles sont continuellement désavantagées dans plusieurs domaines comme la santé, l'éducation, donc l'économie, et ainsi de suite. Il est temps que notre système judiciaire corrige cela, tout au moins en ce qui concerne la pandémie COVID-19, en adoptant la collecte de données désagrégées basée sur la race, dans le but d'atteindre l'égalité, qu'elle garantit, l'égalité réelle garantie par l'article 15 de la Charte canadienne. Donc, compte tenu de toutes ces raisons, les termes « chacun » et « tous » des articles 7 et 15 de la Charte canadienne doivent être modifiés pour inclure spécifiquement et délibérément la race et l'appartenance ethnique, parce que là où certaines personnes pourraient craindre que procéder ainsi serait discriminatoire, elles peuvent être assurées que non. Donc, ça ne serait que reconnaître par la loi le multiculturalisme canadien dont nous sommes tous très fiers, et ça serait un pas de plus dans la bonne direction afin de lutter à cette cécité en fait volontaire qui continue de nous conduire vers des disparités en matière de santé, racisme médical et racisme systémique en général. L'appelant demande que l'appel soit accueilli, que la peine imposée par la Cour d'appel de l'Ontario soit rétablie, avec des peines dans toutes les cours. L'appelant demande également que les termes « chacun » et « tous » aux articles 7 et 15 de la Charte soit reformulé pour inclure spécifiquement la race et l'appartenance ethnique. Donc, Maître, qu'est-ce que vous proposez comme changement de langage en particulier à ces articles-là? Le changement que nous proposons serait, par exemple, donc, au lieu d'utiliser des termes comme « chacun », donc qu'on dise « chaque groupe ethnique », des termes comme ça, qui inclurait quand même, donc qui viendrait quand même inclure ce multiculturalisme qui existe, plutôt que de dire chacun ce qui, en fait, inclut et efface en même temps donc, la différence qui existe sur le sol canadien. Est-ce que ce n'est pas un problème à laquelle on peut régler de la manière qu'on interprète ces dispositions? Parce que vous soulevez des points importants, mais à l'intérieur de l'article 15, est-ce qu'on n'est pas capable, avec l'interprétation de l'article 15 ou l'article 7, d'assurer que l'interprétation qui est donnée est sensible au point que vous soulevez? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de changer le langage des dispositions? Le système, en fait, judiciaire canadien, donc a son avantage que si aujourd'hui, justement, l'appel est accueilli et qu'une nouvelle interprétation est donnée, ça pourrait régler le problème dans la mesure où ça va établir un précédent pour les tribunaux inférieurs. Donc, peut-être que, comme vous avez raison, que ça ne va pas, qu'à ce moment-là, ça ne serait pas plus nécessaire de changer les articles si un précédent est établi aujourd'hui, ce qui est ce que nous demandons, en fait. Donc, à ce niveau-là, donc on serait quand même satisfait. Merci beaucoup aux appelants. Est-ce que ça conclut vos arguments? Oui. OK, it's the respondent's turn. Good evening, Justices. My name is Clay Fernandez, and together with my co-counsel, Lauren Harvey, will be representing the respondent, the Minister of Health, in this appeal. On March 11th, 2020, the World Health Organization announced a global pandemic, which forced the Canadian government to rally its resources to protect the health and safety of Canadians. Justices, this is not a case of the respondent fueling systemic racism in Canada, but one in which the appellant seeks to fetter the discretion of the minister at a time where urgent responses are needed and such responses to be guided by our medical experts. The appellant's appeal from the decision of the Supreme Court of Canada ought to be dismissed for a number of reasons, which will be addressed throughout our submissions. First, I will address our theory argument, which speaks to the risk this data poses not only to Black Canadians, but also the objectives of the minister. Next, I will address why the Supreme Court of Canada did not err in finding that Section 7 of the Charter was not violated. Then, my co-counsel
will address why it would be inappropriate to impose a positive obligation on the respondent. My co-counsel will then address why the Supreme Court did not err in finding that Section 15 of the Charter was not violated. And finally, they will demonstrate that following the principles set in Doré and Loyola, an administrative law review is more appropriate than an Oakes analysis and will reveal that the minister's decision was reasonable. In the face of an emergency whose scale has not been seen in this generation, the Canadian people and courts must allow the medical experts to guide our response. By allowing the minister to respond in the current manner, an effective and efficient distribution of resources is achieved. As such, the respondent respectfully submits that this honorable court dismiss the appeal and uphold the order of the SEC. Counsel, I just want to make sure I'm sorry to interrupt you so early in your pleading, but I just want to make sure I understand your position. You say that applying Section 15 in the manner proposed by the appellants would fetter the minister's discretion. Is that because you don't agree that the disaggregated data would assist the minister in making better decisions for the Black community? While the data may serve some value, it is the position of the respondent that there are more effective expenditures which speak to the needs of the Black community and racialized minorities across the country. And furthermore, that on an analysis under Section 15, the minister's actions do not infringe the appellant's rights. Justices, I would like to direct your attention to paragraph. I want to be clear that I understand what the difference between your position and the appellant's position is. Is it that you don't agree that disaggregating data will assist the minister in serving the Black community, or you disagree that even if it does, that's discriminatory? I guess to put it a different way, is your disagreement with the appellants about a question of fact or a question of constitutional law? We believe that the data itself, while it may serve some value, is not sufficient to address the needs of Black Canadians. And as a result, there cannot be a finding of a Section 15 violation. As a result, I would say that this is a concern of question of fact. Justices, I would like to direct your attention to paragraph 20 of the respondent's factum, where I'll address our first theory argument, which speaks to the risk that this data could pose to Black Canadians and the respondent's objectives. The Chief Commissioner of the Canadian Human Rights Commission made it clear that it is society's response to the virus, which is discriminatory, and not the virus itself, when she said racism and xenophobia are contributing to a global health crisis, or contributing to misinformation during a global health crisis. Viruses do not have borders. Viruses do not discriminate. People do. As a public official, the Minister of Health must allow their work to be guided by the effort to realize the objectives they serve. These objectives can be found in the Department of Health Act and include the promotion of the health, safety, and well-being of Canadians. Any potential value derived from the data would be greatly outweighed by the significant risk of misappropriation, which could lead to stigmatization of Black Canadians, a group who has already faced historical disadvantage and would result in a contravention of the objectives the minister seeks to serve. I have a question for you on that point. Sorry to interrupt you at this point, but if I'm looking at paragraph 20 and following that you've indicated, I'm sure you're aware that the City of Toronto has put a plan, a Black community COVID-19 response to the disparity in the disaggregate information that they have, that, you know, 9% of the community in Toronto is a Black population, but it represents now, it was 23% in September and now represents 26% of the COVID-19 cases. And thus the mayor of Toronto has decided to put a task force to ensure that there are services that are targeted to the Black community in terms of the COVID-19 affecting that community disproportionately to the rest of the community. What do you do with that data? Do you see that as discriminatory? And do you see the action of the Toronto City as discrimination?
No, I do not see the action of the Toronto public officials as discrimination. Merely in our context of our disease concept argument, we'd like to highlight the risk that the collection of this data poses, as it bears the risk of misappropriation. And as a result, weighing the value that this data could potentially provide to the minister's response, as well as Black Canadians. It is our position. Council, isn't that more of a Section 1 argument? Like, you sound like you've admitted that the data would assist the minister in seeing differences between the Black community and the white community, but you say that the benefits are outweighed by the risks of the data being misappropriated and misinterpreted. But it seems to me like the fact that if you're right, and if the appellants are right, that not having this data means that the minister can't notice that the Black community is disproportionately affected by the disease. The minister doesn't have the data. They don't know whether it's 5% worse or 500 times worse. The minister can't respond. And so it looks like there's differential treatment. That's the appellants say that they have the evidence of that. And you say, maybe there is, you're willing to accept it, but there's some harm as well. Isn't that more of a Section 1 argument? When the minister is making decisions in terms of responding to the coronavirus, they must keep in mind the objectives that they serve, and that any decision that they make should have a net positive effect on the Canadian community. In this instance, we believe that there is resources which are more efficiently allocated to address the needs of the Black community. We must remember that in the collection of data, it only provides limited information. We're talking about the collection of data at the point of intake at testing centers or at healthcare resource centers. This data, which provides limited information, can lead to limited conclusions. Whereas the respondents focus on medical resources, as well as ensuring that there are preventative resources in place to help Black Canadians address their needs within the pandemic, as well as understand the risk that they are faced with. These resources are better spent in the areas that the minister is currently allocated it in. And as a result, the data that would be collected would only be minimally effective, whereas we need to address the crux of the issue, which is saving lives. In order to understand the risks that this data may pose to Black Canadians, as well as the minister's objectives, it is important to think about COVID-19 in the context of a disease concept. Dr. Shelley Reuter identifies that ideation of a disease as being targeted towards one particular group can be understood as a sinister metaphor for that group in order to other them. The very notion that a disease targets a particular group or race can become a powerful tool to draw dangerous distinctions which could contribute to othering and xenophobia. The potential for the deployment of COVID-19 as a disease concept is not a remote idea. Links between health conditions and race have led to discriminatory outcomes in the past. We can see this through the application of Tay-Sachs as a disease concept to the detriment of the Jewish community, as well as HIV/AIDS, which has propped up homophobia to the detriment of the gay community. The risk of fueling systemic racism. In both of those cases, in the case of Tay-Sachs, which I believe has a large prevalence in the Jewish community and the community of in Lac-Saint-Jean in Quebec, and in the case of HIV, when it exploded in the gay community, the high prevalence of those diseases was real, right? You're not suggesting that it wasn't real. No, Justice Pless, we're not suggesting that the prevalence of the disease was not real. But wasn't it important to providing a meaningful solution and allocating resources to know who was the most affected by this so that they could be targeted with the resources to help prevent the disease and to perhaps identify, you know, look at why is this community more susceptible to this disease? Let's focus our energy on helping that community. If we don't have that data, then we may not be able to determine why there's a high prevalence. We may not be able to address the high prevalence. We close our eyes to it. Yes, we're not here to contest how the past responses have happened to both Tay-Sachs as well as HIV/AIDS. However, we want to
identify concerns related to how society has misappropriated the knowledge that the gay community had disproportionately high numbers of HIV/AIDS, and that led to further stigmatization of a group which has faced disadvantage in the past. And that is the concern. The Attorney General of Canada's position is that it would have been better during the AIDS crisis to not know that that the gay community was disproportionately affected by the disease. We should have not collected that data because it stigmatized them. No, Justice Pless. We are simply just trying to identify some of the risks associated to it. We're not saying that there is no benefit possible for this data. However, we're not here to just only speak about HIV/AIDS as well as Tay-Sachs, but also the concerns related to coronavirus and how the government's response has ensured that Canadian rights are protected both under Sections 15 as well as Section 7. The appellants. Just very briefly on that, to close that, I mean, I'm sure you're aware of the report of Justice Trappel-Lafond recently in BC about Indigenous health services. So this was clearly an effort by the government to really look and prod at what the disparity was for the Indigenous community in BC and the response of the healthcare system. Is that, did you draw a parallel? Is there a problem with that? I mean, this is clearly, you know, identifying the Indigenous community and looking at what the issues are to really better serve this community. Wouldn't that be the same thing here? The response in BC may bear some of the similar risks of data collection as well as dissemination to the Canadian public. However, the risk of misappropriation of the data is only one of the concerns that the minister has with regards to this data. In a global pandemic, where the minister is forced to respond quickly in order to save the lives of Canadians, an efficient allocation of resources is necessary in order to save lives. And at the end of the day, if a Black Canadian is aware that they bear a higher risk of contracting COVID, they are not saved by the data alone, but by the work of our healthcare professionals, as well as those of our nurses and service workers. So it is the respondent's position that given that the data may only have a minimal benefit to Black Canadians, their needs are more effectively served through a response which ensures that they are able to access appropriate healthcare, which can save lives, as well as preventative measures, which can prevent their risk of contracting in the first place. How do we know, Council, that that the data would only have a minimal benefit? Does the minister have any model or any make any assumptions before they took that decision? Yes, Justice Pless, there is some information about the correlation between race and contraction and transmission of COVID-19. Both the CDC and World Health Organizations have identified that there are systemic factors arising from systemic racism called social determinants of health, which are experienced at greater rates by racialized minorities and contribute to the aggravation of risk. Understanding that, it is not just because the appellant is Black that they may experience a disproportionate effect, but factors arising from systemic racism. It is these factors which the government has targeted through their financial response to the pandemic, which has helped alleviate some of the disproportionate effect. The appellant seeks to demand an unreasonable action be taken by the minister under the veil of laudable goals, such as addressing systemic racism and disproportionate effect. These goals do not account for the reality in which they are rooted. A solution to address systemic racism cannot be rooted in an action which bears the risk of contributing to systemic racism itself. Furthermore, a response which fails to recognize the advice of medical experts cannot serve the needs of the Black community in the most meaningful way. The collection of aggregated data is sufficient to deal with the pressing and urgent health issues during an emergency, as it empowers the minister to address more substantial risk factors, as I mentioned, such as the social determinants of health, as well as healthcare access, which is quintessential to surviving the pandemic. Are you suggesting that the minister had advice before her that said she shouldn't collect this data? That the appellants are asking the minister to ignore advice she received? No, Justice Pless. We are simply stating that there are more efficient allocations of expenditures which
will save lives for Black Canadians across the country, as well as racialized minorities, as well as parts of the government's response, which help to address some of the systemic factors that they face. Is this really a resource question? I mean, is it really, isn't it just a question of ticking an additional box in the way that you're collecting data already? I mean, how much more resources would be required to add one data point to the survey? Well, Justice, at the point of intake, it may only be an additional box to be ticked in an individual case. However, we have to recognize that these are cases across the country and thousands of boxes being ticked. Furthermore, it is not just the collection of this data, but the government is also obliged to protect the data in a meaningful way. So the data needs to be stored, managed, as well as analyzed, all of which will add costs to the use of that particular resource. Costs which may be more efficiently spent towards medical care to ensure Black Canadians are able to access the hospital resources that they need if they do contract the virus. Justices, I would like to turn your attention to paragraph 34 of the respondent's factum, where I'll now address why Section 7 has not been infringed. Section 7 provides for the rights to life, liberty, and security of person. I would like to start with the right to life. In Carter and Canada, the Supreme Court held that the right to life is engaged where a law or state action imposes death or an increased risk of death, either directly or indirectly. We can look to cases such as Chaouli in Quebec, as well as PHS and community services, in order to demonstrate the application of these Section 7 claims. The common thread among these cases was that a government action inhibited access to health resources, which had the effect of increasing the risk of death. In PHS, the Minister of Health failed to renew an exemption given to Insight, which created a safe injection site for intravenous drug users. Due to the risks associated with intravenous drug use, those users were subjected to an increased risk of death as a result of the complications that could arise not only from the drug use, but also the use of unsafe or unsanitary needles. As a result, there was a finding of a violation of of intravenous drug users' Section 7 rights. Justices, the failure to collect disaggregated race-based data does not have the effect of increasing the risk of death for Black Canadians. The cause of the disproportionate effect is not purely the appellant's race, but a set of factors underlying the experience of racialized minorities. The CDC and World Health Organization recognize... Council, are you suggesting that if we were to learn that the Black community, the incidence of COVID in the Black community was twice as high as in the white community, you wouldn't allocate your resources differently and maybe save one life? And just on that, before you answer that question, isn't that what Toronto has just decided to do 2 days ago? Unfortunately, I'm not prepared to speak to the specific responses that the provincial government has created, and more specifically, the municipal government in Toronto. However, recognizing concerns and systemic factors faced by racialized minorities and Black Canadians is an important part of the minister's response. However, it's not clear that our friends have even demonstrated that there is a disproportionate effect. They cite to a statistic which says that deaths are occurring in 1 in 800. That is a percentage of death at 0.125%. Canada's rate of death currently is 2.5%, meaning that the risk cited by our friends is actually significantly lower than that of the Canadian population. No, I don't think you're fair to the data that they cited. They describe the difference between the incidence among the Black community in the United States and the white community in the United States to show, which is well established, and I think you recognize that the World Health Organization and the CDC has recognized that the incidence of COVID among racialized communities is higher than among the white community. We don't know that in Canada because we don't collect the data. And to me, the question of the collection or non-collection of data does not itself cause harm. But the problem is it stops the minister from being able to allocate resources to where the most harm is caused. What if I'll go further. The question I asked was, if it's twice as great, what if it's 10 times as great? Surely the minister will allocate resources differently in a community where the incident is highest.
And they can't do that if they don't know. Certainly, if it's demonstrated that there is a higher rate of an extremely higher rate, as you suggested, at like a 10 times multiple, that it would behoove the minister to make a reallocation of resources. However, we need to look to where these resources would be allocated in order to save lives. And where they would be allocated is in our medical centers, as well as our testing centers, as well as expenditures on obtaining and distributing the vaccine. These are already primary focus focal pieces for the minister's response and are what in fact put control into the hands of Black Canadians. As the crux of a Section 7 right to life claim is whether or not the government action has inhibited access to healthcare resources. Through the minister's response, there have been both preventative and reactive aspects which help address the needs and facilitate access to resources, from the COVID-19 tracker app, which allows individuals to recognize in their own geographic area the risk they and their families are posed with, to testing centers, which can provide in as little as 24 hours an understanding of whether or not someone is COVID positive. To date, there are over 21 million tests already performed. Furthermore, for those who may contract the COVID-19, there are another set of resources the government has specifically focused on, specifically supporting our frontline heroes in the doctors, nurses, and service workers who are essential to saving the lives of Canadians. Even if Black Canadians understand that there may be a disproportionate effect, that does not mean that they will be able to obtain the care they receive if there are insufficient resources in order to provide, in order to admit them to a hospital and provide the necessary care. Justices, as I see, I'm running low on time. I would like to just direct your attention for your notes to paragraph 50 of the respondent's factum, where you are able to find our submissions on the principles of fundamental justice. To just briefly address arbitrariness, a deprivation to a right will be arbitrary if it bears no connection to the law's purpose. Perfection cannot be expected in a global pandemic, nor is it required by law. While data claimed may serve a purpose, it does not mean that the minister's decision was arbitrary. The minister has in fact facilitated both control as well as access to healthcare resources through their expenditures and focus on resources that are needed the most and the most effective at saving lives. Barring any further questions, justices, I'll now defer to my co-counsel to complete the respondent's submissions. Good evening, Justices. My name is Lauren Harvey, and I will be addressing the respondent's final three submissions on this appeal. First, I will address why this is not an appropriate situation to impose a positive obligation on the minister. Next, I will address how the Supreme Court of Canada was correct in finding that Section 15 of the Charter has not been violated. And finally, I will demonstrate that if this court should find that there has been a Charter violation, that under an administrative law Doré approach, the minister's decision was reasonable and as such should be upheld. Justices, if I may begin by addressing the issue of positive versus negative rights, which can be found beginning at paragraph 12 of the respondent's factum. Our friends have asked this court to impose a positive obligation on the minister to change her approach to combating COVID-19, specifically her approach to data collection. However, since its inception, the Charter has been interpreted as a negative rights document, which means that it works to ensure that Canadian citizens' rights are not unreasonably interfered with by the government, rather than to impose positive obligations on the government to provide certain services. It is in this way that if this court should order that the minister collect disaggregated race-based data, that it would be imposing a positive obligation on this court, which courts have been hesitant in the past to impose due to the deference that is owed to ministers and the legislature in general. While we acknowledge that the court in Gosselin left open the possibility for Section 7 claims to impose positive obligations, it is our position that this would not be an appropriate case to impose such an obligation for two reasons. First, as was addressed by my co-counsel, the data
the value that the data could provide would be minimal, and it would not alleviate the disproportionate effect that COVID-19 may be having on Black Canadians. Counselor, are you familiar with the Supreme Court decision in Eldridge? Yes, Justice Pless. So I'll just say what I think it says, and you can tell me why it doesn't apply. My understanding is that what the court says in Eldridge is, you know, we're not going to require governments to do things, but if they're going to do something at all, if they're going to make the decision to do it, they need to do it in a non-discriminatory way. And in that case, it was providing health services to people who were deaf. And they said, you know, you don't have to provide health services at all, but if you're going to provide them to the community and then deaf people can't communicate with doctors without a sign interpreter and everybody else can, you're failing to provide the service in a way that takes into consideration the needs of a minority community, of a differently abled community. And so to me, that looks a lot like the appellant's claim, where the appellant says, you're doing this. You're just doing it in a way that fails to take into consideration the needs of our community, because you're only interested in assisting the majority population, because you're basically not collecting data about our population. You're washing out the problems that exist in our community, because you only look at the aggregate data. Isn't that? You know, I accept the distinction between positive and negative obligations, but isn't this more like if you're going to do it at all, you have to do it in a non-discriminatory way? I would disagree with the analogy drawn to Eldridge, in the sense that in Eldridge, as you said, Justice Pless, it was an issue that the government was, it was a clear Section 7 violation, because individuals who were hard of hearing could not access fundamental health resources as a result of the government's decision not to collect, or rather not to provide sign language interpreters for those who are hard of hearing. However, the distinction in this case of the minister's approach, which currently does not collect disaggregated race-based data, does not affect an individual's ability to seek fundamental health care. And so in Eldridge, I believe the reason the court imposed what ended up being a positive obligation, regardless of how they framed it, was because of the severity of the Section 7 infringement. And it's our position that given the tenuous link between race and transmission of the virus, and the fact that there has not been a charter infringement, this would not be an appropriate case to impose a similar obligation on the respondent. But you say the tenuous link, but we don't know because we're not collecting the data. And what the appellant's position is saying, when you collect data in a disaggregated way, you can only learn something about the majority population. You're hiding the reality. You're disaggregating it across the entire population. It might turn out that the only people who have COVID are racialized communities, and we'll never know, because we only see the data across the entire Canadian population. If I may clarify, Justice, the statement I made about the tenuous link has been is based on the medical experts such as the CDC in the United States, who, as I believe it has been brought up, do collect disaggregated race-based data and on analysis of that data have determined that the disproportionate effects Black Canadians may experience is not solely as a result of their race, but rather as a result of other social determinants of health. Justices, if I may now draw your attention to our argument with respect to Section 15 of the Charter. Our submissions on this issue can be found beginning at paragraph 57 of the respondent's factum. While we acknowledge that Black Canadians may be disproportionately affected by COVID-19, the minister's approach did not draw a distinction on the basis of race. And even if this court should find that it did not do so in a way which perpetuates or exacerbates disadvantage. The appellants have not proven that there was either a benefit denied or burden imposed on Black Canadians such that there was a distinction on the enumerated ground of race. The benefit which arises from the minister's approach is in ensuring that only medically relevant data is disseminated to the public. This allows Canadians to make informed, individualistic health choices based on this data, which has shown that there are links between COVID-19 and certain data sets.
Additionally, the minister. I'm sorry to interrupt you. Are you suggesting that the minister doesn't use this data to make decisions about how to allocate resources? The minister's approach in terms of how to allocate resources is guided by data which has proven to be relevant in the fight against COVID-19. For instance, geographical data, since we know COVID-19 is a contact-based transmission virus, and data which has indicated that certain communities, such as, for example, those in long-term care homes, have been particularly vulnerable. And it is data that shows the relevance between the data set and the contraction or transmission of COVID that has informed the minister's response. Well, we wouldn't know that there was problems in healthcare, in long-term care facilities or in geographical areas if we weren't collecting data on it. So you're saying you recognize that the minister makes resource allocation decisions based on the data, and you mentioned two, but we don't know whether the Black community needs those allocations, and that's the benefit denied that the appellants argue represents an infringement of Section 15. It's that you don't know. That's the problem. And they can't be forced to prove that there is a problem. They just prove that there's likely a problem and you're closing your eyes to it. The minister has guided her response with respect to allocating resources based on the data of medical experts, such as the World Health Organization or the CDC, as my co-counsel has mentioned. And those medical experts thus far have stated that there's not a link solely between race and transmission of the virus. The only way that the CDC can know that is if they're collecting the data, and then they can say, it turns out that there's no relationship. But your friends said that the relationship that does exist in the United States is adequate to at least invite the minister to collect the data. And that's the infringement, isn't it? The minister's position is that is not that Black Canadians may not need targeted interventions or have specific needs throughout COVID-19, but rather that those needs can be addressed without the collection of race-based data, which would act as an intermediary step to only collect data. And if I may offer the court a hypothetical, if this court were to order that data was collected, all that we would learn from that data is if person A went to the hospital and got tested for COVID and was a Black Canadian and they tested positive, versus person B went to the hospital, got tested, was negative, but was a white Canadian. There is nothing else that we would learn from that data other than to quantify the number of Black Canadians that may be impacted disproportionately by COVID-19. However, the minister believes that the resources are better allocated to ensuring hospitals have the resources to support those Canadians and Canadians of other racialized minorities in addressing those disproportionate effects, rather than the intermediary step of data collection, which would not address those effects on its own. Justices, if I may now turn your attention to paragraph 65 of the respondent's factum, where I will demonstrate that if this court should find that a distinction was found on the enumerated ground of race, that it was not done in a way which perpetuates or exacerbates existing disadvantage. A distinction which corresponds with the needs and circumstances of the claimant group is less likely to be discriminatory. Our friends have suggested that the minister's current approach fails to adequately consider the needs and circumstances of Black Canadians. However, we do not believe that this is accurate. The minister's approach was guided by an acknowledgement of the risk that the collection of data could pose and of the hardships that the Black community has faced in the past. A decision which respects the dignity of Black Canadians is one that acknowledges these hardships and refuses to create situations which would only perpetuate those disadvantages. And so it is in this sense that the minister's approach does appropriately address the needs and circumstances of Black Canadians, in addition to the fact that the minister's main objectives are ensuring that there are adequate testing centers, ensuring that hospitals have adequate staff and resources, and ensuring that there is a financial aid system which can support Canadians who require its assistance. Finally, the nature of the interest supports that this was not done in a discriminatory way. As I've mentioned, collecting race-based data, or
my apologies, the minister's current approach does not prevent Canadians from seeking medical care or support throughout this pandemic. While our friends have suggested that the minister's approach benefits only the primarily white population in Canada, we don't believe that this is accurate. The minister's approach, as I've mentioned, is guided by three or multiple facets, three of which are testing sites, hospital resources, and financial aid, and a financial aid system. All three of these are very important facets to the minister's current response to combat COVID-19, and none of these draw the distinction based on the enumerated ground of race. In particular, the financial aid system is set up in a way that it does not benefit everyone, but rather it benefits those who have been particularly disadvantaged by the pandemic in that they may have lost their job or have not been able to continue with their employment as a result of perhaps not being able to leave their home to work as a result of a medical condition or something along those lines. And so since this data since this approach does not prevent Canadians from accessing healthcare or accessing resources or testing sites, it is in this sense that it's our position that the nature of the interest is relatively minor. And as such, the minister's approach was not done in a way which exacerbates or perpetuates the existing disadvantage, which we acknowledge and our friends have correctly asserted is something that the Black community has experienced. Justices, if I may now move on to the respondent's final submission, which can be found beginning at paragraph 73 of the respondent's factum. While we agree with the Supreme Court of Canada decision in upholding the minister's, While we agree with the Supreme Court of Canada decision, we disagree with the approach that they used to reach it. A Section 1 Oaks analysis is not appropriate in these circumstances. Because the task that this court is tasked with determining is whether an administrative decision maker exercised her authority in accordance with the charter. And it is in this sense that the more appropriate test at this final stage, if this court should find a charter violation, would be a Doré administrative law review approach rather than a Section 1 Oaks analysis as was suggested by our friends. On this approach, the appropriate standard of review is reasonableness, which asks whether the minister unreasonably limited the appellant's rights. We acknowledge there must be a proportionate balance between the charter protections, in this case specifically Section 7 and Section 15, and the objectives of the minister, which are twofold. First, as my co-counsel has addressed, preserving and promoting the health of Canadians, and second, the importance of managing a fiscal crisis which COVID-19 has created. Well, you said, sorry to interrupt you, counsel. You said that the proportionate balancing is between the infringement and the minister's objectives. Is it really the minister's objectives or is it the statutory objective? You are correct, Justice Pless. I misspoke. It is the statutory objectives. But what are the statutory objectives that you're doing? Where are you getting them from? The statutory objectives can be found at Section 4, Subsection 2, I believe, of the Department of Health Act, which states that the minister's objective is to promote and preserve the health of Canadians. And under what powers was the minister exercising when the minister took this decision? Because I understand you're saying it's an administrative decision, and that's why the Doré analysis applies. So what are the powers that the minister was exercising? She was exercising her powers under the enabling statute, which in this case was the Department of Health Act. So it's just a general power to create a program. There's no specific. Within the Department of Health Act, the minister has the authority to collect data with respect to the health of Canadians. I don't want to throw you off your argument too much, but and if you're going to get to it, just tell me you're going to get to it. But I'm curious, is there really a difference between the Doré approach and the Oaks analysis? Does it make a difference? No, so the Doré analysis is actually quite similar to the final stages of a Section 1 Oaks, namely minimal impairment and proportionality. And as such, I will move on to analyzing those two steps of Doré now. We acknowledge that the minister's approach must be minimally impairing in that it must not impair the impellent's rights more than is necessary to achieve the statutory objectives.
In this way, the minister's approach was minimally impairing because the dissemination of medically irrelevant data would fail to appropriately inform Canadians about the relevant risk factors with respect to COVID-19. You sound like you're back arguing section 15 again. If we're at section one, it's because you failed to persuade the court on that. And so you'd have to assume that there is an infringement, that there is, that security is at risk, either a 7 or a 15, that there was a discriminatory action. What are the benefits that outweigh that harm? One of the one way in which the minister's decision was minimally impairing is that it must fall within a reasonable range of alternatives, and that is the standard that courts have generally accepted. And if one of the other alternatives, as our friends have suggested, is to collect data, this could lead to surveillance and privacy concerns, as well as risk of further perpetuating discrimination, as my co-counsel argued in our theory argument. And the likelihood of further infringements if this data is disseminated is evident that the approach the minister took to data collection did fall within a reasonable range of alternatives, and in this way was minimally impairing. Finally, there must be proportionality, as I mentioned, between the minister's approach to data collection and the statutory objectives. There is no evidence which would suggest that collecting race-based data alone would alleviate the risk or spread of COVID-19. As such, the Black community is better served through the minister's current response of addressing the social determinants of health and focusing all resources towards hospitals and financial aid systems, which have proven to help Canadians both in their physical health and social health, which are part of the minister's objectives as outlined in the Department of Health Act. It is in this way that the minister's approach allows for a more effective allocation of resources, which does support the objective of preserving and promoting the health of Canadians, and works to prevent further potential breaches of privacy, further potential incidents of racism, and the dissemination of irrelevant medical data with respect to this virus. Justices, the minister's approach to data collection and response in a time of crisis was reasonable. While Black Canadians may be disproportionately affected by COVID-19, it is not their race which is the cause of these disproportionate effects. As such, collecting race-based data would not only not alleviate these disproportionate effects, but it would require a reallocation of resources, which could lead to more detrimental effects. This case, however, is centered around whether the appellant's charter rights have been violated. As you heard from my co-counsel, the appellant's Section 7 rights have not been infringed because the right to access medical care or make fundamental health choices has not been impeded by the minister's approach. Additionally, there was also no Section 15 infringement because there was no distinction on the enumerated ground of race. Barring any further questions, Justices, these are the respondent submissions. We respectfully request that you dismiss this appeal and uphold the order of the Supreme Court of Canada. Thank you. Wonderful. Thank you, appellants and respondents. Thank you, of course, to our honorable justices. We will now leave the breakout room.